Salut les mecs, c'est Léo, j'espère que vous allez toutes et toutes très bien les amis. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui les mecs, on se retrouve directement en centre-ville avec la MT-07. J'espère que vous allez toutes et toutes très bien. Écoutez-moi le bruit de la ligne. Pour ceux qui savent, oui les mecs, ça fait du bruit. Si vous avez vu la dernière vidéo, on a des chicanés, des Shakira la moto. J'espère que vous allez toutes et toutes très bien. Aujourd'hui les amis, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui les mecs, direction la métropole lilloise, on va se retrouver dans les bouchons. Et vous allez comprendre pourquoi les mecs. Mais avant que cette vidéo commence, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. On est bientôt 200 000, il manque même pas 3 000 abonnés les mecs. Et on est 200 000, ça me ferait trop plaisir. D'ailleurs à venir sur TikTok, parce que TikTok il en manque même pas 5 000 et on est 100 000. Ah franchement les mecs, là va falloir faire péter le champagne sous peu, parce que là on a des choses à fêter. Oh les petits retours là, on vient de démarrer, donc elle est pas encore très très chaude. Ouais, toujours dans le respect de la mécanique, tu vois ce que je veux dire. Et bah les mecs, aujourd'hui on va aller se ruiner à Lille. Alors déjà faut savoir, hein, fun fact, frérot, je déteste Lille, mais alors à un point. On va voir si aujourd'hui je déteste cette ville encore plus. Mais vraiment je ne peux pas, cette ville je ne peux pas, je déteste. À chaque fois que tu y vas, il y a du monde. Et vas-y, c'est relou. Les seules fois où j'y vais où ça me saoule, c'est quand je suis en voiture. Ah, c'est horrible les mecs. Soit en voiture ou en camion, il y a toujours du monde. Oh, c'est un bordel. Bon, sinon après quand t'es à pied ou quoi, c'est trop bien. Merci frérot, ça fait plaisir. Ça fait longtemps qu'on n'est pas allé dans les petits bouchons. On va voir comment ça se passe. Enfin, même si je sais comment ça se passe, frérot, j'ai fait 2 ans dans les bouchons pour aller à Lille tous les jours. Il y a un moment, tu commences à avoir de l'XP au niveau interfile bouchon. Bon les amis, je vous parle rapidement du sponsor de cette vidéo, qui est autre que Car Vertical. Les amis, vous commencez à les connaître. Car Vertical, ça vous permet tout simplement, grâce à votre plate d'immatriculation ou votre numéro de châssis, de pouvoir vérifier votre véhicule, que ça soit une moto ou une voiture. Vous le rentrez sur le site internet de Car Vertical et il va pouvoir vous donner un historique complet sur votre véhicule, que ça soit au niveau des dommages, si le véhicule a été endommagé, le relevé kilométrique, le nombre de propriétaires. Vous allez aussi avoir les spécificités du véhicule, la couleur d'origine, le moteur, si jamais ça a été modifié. Bon, ça vous allez me dire, on le voit souvent direct, mais on sait jamais. Vous pouvez l'utiliser partout dans le monde si votre véhicule vient du Sri Lanka, d'Égypte, de Belgique, d'Allemagne, du Luxembourg, d'Espagne, de l'autre bout du monde. Vous allez avoir un rapport complet sur votre véhicule. Je vous mets un exemple à l'écran sur un véhicule, vous voyez bien qu'il a été tapé. C'est pareil pour une moto, dès que ça a été tapé, faites très attention, parce que bah, des fois c'est bien réparé, des fois c'est mal réparé. Donc au cas où, faites très attention avant d'acheter. Vous avez un petit code promo, c'est -20%, je vous le mets à l'écran. Les liens sont en description, pour ceux qui veulent en bénéficier, n'hésitez pas, ça peut vous sauver. En tout cas, je vous mets tous les liens en description. Sur ce les amis, bonne vidéo, ciao. Les mecs, petite entrée d'autoroute, c'est le seul moment où tu peux te faire plaisir. Voilà, donc y avait les flics, vous les avez vus ou pas les mecs? Les flics, ils étaient là sur ma droite. Je sais pas si on les verra à la GoPro, mais ils se cachent tout le temps là, c'est une dinguerie. Bon après, je suis arrivé avec la vitesse convenable frérot, donc normalement ça devrait aller. Allez, on libère les chevaux. Et j'ai appris les mecs que cette semaine, c'est pas sur cette autoroute mais dans le nord. Enfin je pense que chez vous c'est pareil, ils ont installé des caméras les mecs. Oh, eh, vous verrez la taille des caméras, des grosses boîtes où il y a les ponts. Et ils ont mis des caméras. Alors je sais pas, c'est pour récupérer quoi. Mais donc faut faire gaffe hein, les mecs hein, parce que avec une caméra ils te sortent l'image. Là tu pourras pas dire que c'était ton voisin frérot. Je te laisse passer mon frérot, vas-y, vas-y, cours, cours, sois le premier. J'ai fait exprès, 9h30, normalement ça va, y a pas trop de monde. C'est vrai que ça faisait longtemps que j'avais pas fait de motovlog, surtout sur l'autoroute. Là, on va passer frérot, on va longer le camtar, merci frérot, ça fait plaisir. Ah là là, le temps fou qu'on gagne. S'il vous plaît, monsieur, mademoiselle, s'il vous plaît, laissez-moi passer. Là, tu vois les gens qui se décalent, ça me donne du smile. Il fait beau, merci frérot. Ah oui, en fait, ouais, il y a des vrais travaux. Ah ouais, ça fait tellement longtemps. Ça fait belle lurette que je suis pas venu ici, que j'avais pas vu qu'ils aèrent pas le sol. Ah, ils l'ont mis en jaune. Ouais, ma foi, stylé, hein. Lui, tu vois, il m'a vu de loin. Lui, c'est mon ref. C'est mon refton sûr. Merci, frérot. Ah, mais attends, mais délire. Mais j'avais pas vu tout ça, en fait. Je suis parti en vacances 2 mois, ça y est, ils ont refait tout l'autoroute ou quoi? Quand tu vois la largeur des pneus, frérot. Oh, bah alors là, quand il faut les payer, m'appelle surtout pas, hein. Oh, waouh! Et la taille des pneus, les mecs! Ceux qui sont propriétaires de X5 là, X6, ça va? Ça va quand il faut changer les pneus? Regarde comparé aux pneus de la Mégane là! Ouah, c'est 2 fois les pneus de la Mégane!
On est aux US, les mecs, les lignes, elles sont jaunes. Je sais même pas si elles sont jaunes aux US, mais ça change un peu. Le jeu de construction de travaux, frérot, c'est quand que ça se termine, là? Moi, j'aimerais bien pouvoir aller où je dois aller, les frères. On va dépenser un petit billet exprès pour tourner les TikTok, vous allez voir. Un petit, c'est le prix de la 50. Eh, mon ref, quand ils m'ont envoyé la facture, j'ai dit, je rachète une derby, là, ou... Ouais, vous allez voir, les mecs. En vrai, un petit top case, qu'est-ce que c'est moche, mais qu'est-ce que ça a l'air d'être pratique. Là encore, j'ai dû prendre my bypack, mon sac à dos. Ouais, je suis un peu franglish, les mecs, mais t'imagines, t'as un top case, t'as besoin de rien prendre. Oh, t'es tranquillou. Alors ça, les mecs, c'est un stickage véhicule. Il a été fait en fin de soirée, hein. Alors là, t'as une lettre qui est droite. Alors là, c'est sauf qui peut, frérot. Moi, je dois aller au milieu. Par où on va passer? Oh là, là, j'ai une fenêtre de tir. On va essayer de suivre les panneaux. Hop, les... Ah là, les mecs, il y en a un sur TikTok, les mecs, dites-vous, il m'a dit, il faut exploiter sa moto sur le périph' de Lille. Ah là, les mecs, vous êtes pas prêts, hein. Là, ça va faire frotter le genou, hein. Entre les petits cônes, les petits poteaux, là, ça va, vra, 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 vra. Il n'y a pas de panneau. Ah, c'est là qu'on peut exploiter une moto sur Lille, les mecs. Regardez, regardez, là, je vais faire le... Eh, j'ai failli faire le genou, hein. Moi, j'aime bien. Dites-vous, j'ai passé mon permis moto dans Lille Centre. J'ai cru vraiment quand elle m'a annoncé centre d'examen Lille Centre. J'ai dit bon. Là, franchement, je veux bien faire des efforts, mais si tu me mets des bâtons dans les roues, frérot, je pourrais rien faire. Alors maintenant, il va falloir se repérer à l'œil. Comme on dit, bonne chance. Bon, c'est vrai que je suis pas venu le week-end dernier, c'était la braderie. Laisse tomber, toi, le temps que j'aurai mis. Bon, du coup, les mecs, on se retrouve plein centre de Lille. Dites-moi si vous pensez savoir ce qu'on fait ici. De toute façon, normalement, c'est dans le titre, hein, frérot. Ça m'a tellement coûté cher que je peux me permettre de le mettre dans le titre, hein. Ah là là, j'ai bien fait de remettre la chicane, hein, parce que je me suis dit, oh là 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 là, ça fait un petit peu trop de bruit, ça. Ça coûtera un petit peu cher de se prendre une jeune amende. Je me suis dit, sinon il va me coûter un peu cher mon séjour à Lille. Mais je sais pas où je vais. Je pense de mon flair, si je continue la rue jusqu'au bout, j'arrive là où je veux. Vrai de vrai, c'est un mini Paris, non, cette ville? Lille, c'est un mini Paris, je pense. Niveau bordel, ouais, ouais. Franchement, c'est stylé, hein. Eh, y a des beaux bâtiments, hein. On dirait vraiment un touriste, hein. C'est dingue, ça fait 20 ans que j'habite ici, mais toujours aussi perdu. Oh, la PM. La PM à bord du véhicule, oh, dantesque. En plus, je vais être à côté d'eux au feu rouge. On est bien. J'ai mes papiers, j'ai tout ce qu'il faut. On est OP pour le contrôle, si tu vois ce que je veux dire. Oh, le jeune vélo, il a glitch le... Oh, comme il a glitch le feu. J'ai bien fait de remettre la chicane aujourd'hui, parce que là, je me suis dit, ici, je pense qu'il y a la plus grosse concentration, voilà, des agents assermentés, si tu vois. Oh, il y a les motards là-bas au bout. Oh non. Mais non. Bon, j'ai la chicane, j'ai les papiers. Confiance en soi, les mecs. Qu'est-ce que tu veux qu'ils me mettent? La visière, les rétros. Ouais, c'est tout. Ouais, c'est tout. Ils peuvent rien me mettre de plus. Oh, la voie de bus. Oh, la voie de bus. Yo les BG, va pas falloir jouer, hein. Carrément, j'ai oublié de regarder les panneaux. Attends, mais moi je pense que je peux passer dans le centre de Lille. Oh là là. Qui fait le plus de bruit? C'est quoi ça? Il y a combien de centimètres cubes dans le bordel? Ça se voit, lui, c'est un habitué, frérot. Il est placé. Sur la ligne, il est en place. Après, il va à droite. Moi, j'irai bien à droite aussi, hein. Oh oui, regarde. Regarde, 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 regarde. Je fais comme lui, frérot. Voilà. Oh mais oui, mais en plus il m'a indiqué le passage. J'ai bien fait de le suivre. Masterclass, merci frérot. Attends, mais j'ai cru qu'il roulait comme ça, la dinguerie. Allez, bonne journée. Bonne journée frérot. Ça, franchement, ça me fume. Les PL, ils les mettent partout. C'est trop bien. Je peux continuer tout droit ou c'est interdit? Je peux aller où, le Grand Place, Nouveau Siècle? Vas-y, vas-y frérot. Il n'y a pas de souci. On peut aller où? Je peux aller là-bas? Je peux respirer? Bah là gros, je suis baisé. Hop, on va se mettre là. Calme. Hop, en plus, il y a la police juste devant. Je suis baisé, gros. On continue à pied, j'ai envie de te dire. Bonjour. C'est interdit, hein. Ouais, mais je sais, en fait, je suis complètement perdu. Tu veux aller où? À la place. Général de Gaulle, parce que... Et je pouvais faire tout droit? Ouais, là, y a pas de souci. Ok. Ouais. Ouais. Ok. Ok. Ok, d'accord. Je dois juste aller à l'Apple Store et après je m'en vais, en fait. Ok, super. Bah merci. C'est gentil. Bon, c'est un bon, frérot. Franchement, c'est un bon. Il a vu que dans ma détresse, frérot. Oh, regarde, on va pas essayer de se taper une petite trottinette. Il m'a dit que je pouvais y aller, hein. On est d'accord, hein. Il m'a dit que je pouvais y aller. Il m'a dit, vous faites à droite. Et après, il m'a dit légèrement à gauche. Ah ouais, regarde, il est là-bas. Ça se trouve, il peut me guider, non? Alors, attends, parce que là, les BG. Vas-y, 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 passe. Légèrement à gauche, ouais. Ouais. Sinon, il va m'escorter, vrai, non? Je peux pas lui demander une escorte? Ah, il est trop sympa, par contre. Masterclass, trop gentil.
Bon, c'est bien, moi j'ai une escorte, les mecs. En même temps, j'ai quand même pris un sens interdit devant eux. Donc là, je vais à gauche, ok, je vais les suivre. Je crois que je suis pas arrivé au bon endroit, toujours. Et après, où est-ce que je peux aller? Ou alors là, je suis sûr, il va me guider. Bon, je pense que j'ai pas trop le choix d'aller là-bas, de toute façon. Mais là, il m'avait dit droite-gauche. Là, je crois que même moi, je me suis auto-perdu tout seul, en fait. Ok, donc là, ouais, non, là, c'est à droite. Ok, ouais. En fait, si, il me fait une escorte, là, je suis content. Et là, je vais où? Je suis sûr, il est en train de se dire, mais il est vraiment trop con, hein. Ouh là là, la cheville qu'il a failli se faire, le couze. 103 degrés en plus. Oh, je suis baisé. Là, dans mon cerveau, c'est l'image du singe avec les cymbales. Je suis complètement à l'ouest. J'ai trop le seum. Oh, j'ai pas vu, là. Je crois qu'il m'a fait un petit signe. Je suis pas sûr. Je crois qu'il m'a fait un petit signe. Je regarderai en montage, les mecs. Oh si, attends, il m'a aidé de ouf là. Attends, mais je reconnais cette rue. Bah si, en fait. Bah carrément que si. C'est bon. Oh les mecs. Oh, il est trop gentil. Oh, j'aurais dû lui dire merci. Oh, il m'a aidé de ouf. Oh, le browser. C'est bon. Je vais me trouver une petite place maintenant. C'est un parking moto là. Ouais. Oh, la masterclass. Oh, il est trop sympa. Trop gentil. Ah bah bah. Bon les mecs, on se retrouve dès que j'ai l'objet qui m'a coûté tout ce périple. Oh punaise. Trop pratique de venir en moto, les mecs, je vous jure. Si tu connais la route, c'est trop pratique. Bon, on quitte cette ville de Golmont, les mecs, avec ce beau soleil. Gardez-moi ça, ce beau soleil. Muy caliente de la Casa de Papel. Bon, j'ai ce qu'il faut dans mon sac, les mecs. Je vais aller récupérer la marchandise. En vrai, j'aurais pu grave tout vous filmer et tout. Mais c'était trop drôle. J'ai trop d'anecdotes. Interdit sauf livraison. Punaise. En tout cas, merci à la police qui m'a aidé à me stationner. Parce que là, franchement, je crois que je serais pas encore arrivé. Je serais encore en train de tourner. J'ai récupéré ma petite commande, les mecs. Bon, vous en doutez, les mecs, on est parti chercher le nouveau Galaxy S9 Ultra XP3. Bien sûr, les mecs, on est parti chercher l'iPhone. Parce que, je vous dis pourquoi je suis allé le chercher. C'est pas pour faire le mec, parce que là, j'ai des anecdotes de fou. Hein. Là, c'est trop drôle. Hein. Je suis allé le chercher en boutique, le jour de sa sortie, qui est aujourd'hui. Quoi. Pas pour dire d'y aller, parce qu'en vrai, j'en ai rien à taper. Mais c'est parce que, une fois, j'ai fait me le faire voler par un livreur. Qui devait me le livrer. La logique, c'est le but d'un livreur, tu vois. Mais du coup, il m'a traumatisé. Et comme j'ai vu que sur les réseaux, tu peux faire voler le téléphone et tout, j'ai dit, vas-y, on va sécure le truc, on va y aller. Mais vas-y, un peu relou. Bon, du coup, je suis parti le chercher en magasin. Là, je viens de revenir, j'aurais pu tout vous filmer. Parce qu'en vrai, on a le droit de filmer, c'est trop drôle. Mais par contre, allez mec, c'est un truc de fou. Ah, y a ces prouveurs là-bas. Moi, je suis arrivé, gros, avec mon sac échoua, mes chaussures trouées de moto, ma dégaine de schtroumpf. Ah, je vous raconte même pas comment ils m'ont jugé. Hein. J'ai fait me faire recaler en plus. Eh, donc les mecs, je voyais, il y a des gens, ils font la queue depuis 9h. Eh, vous êtes fous. Moi, je l'ai commandé direct parce que quand il est sorti. Parce que sinon, tu vas attendre 3 semaines avant de l'avoir. Et le mien, genre, il est full. Il est full de chez full au niveau du stockage. Du coup, j'étais obligé d'en recommander un autre. Je suis arrivé avec mes chaussures trouées dans l'Apple Store face à des mecs, gros, ils étaient sapés. Je pense que ça va valer le prix de ma moto sur leur vêtements. Du coup, pour vous dire, en fait, tu rentres, ils te demandent carte d'identité, ta réservation et tout. Et moi, je suis arrivé, bah du coup, comme vous l'avez vu, à cause de mes péripéties, avec un peu de retard. On va dire, j'avais 30 minutes de retard. Et donc, en fait, ça a été un glitch. Parce que c'est de ma faute, en fait, si je suis en retard, comme je connaissais pas la route. Mais du coup, ils ont demandé, bah vous êtes à quelle heure? Moi, j'ai crié 10h30 comme ça dans tout le magasin, comme un Golemont. Ils m'ont laissé passer devant tout le monde, du coup, tous les gens qui faisaient la queue, mais qui avaient des réservations. Parce qu'il y a des mecs qui font la queue, mais sans réservation. Et en fait, ils espèrent que, vas-y, il y a un téléphone qui pourrait être vendu sans réservation. Je sais pas c'est quoi l'objectif. Frérot, mais vas-y, tu pouvais réserver en ligne. Qu'est-ce que tu viens t'embêter à aller en magasin, tu vois ce que je veux dire? Donc moi, je suis là, je fais la queue. Et là, je rigole avec un mec parce que il était comme moi, genre il avait une dégaine. Le mec, en fait, il était livreur en train de bosser. Et il y avait son camion en double fil devant l'Apple Store. Et je vous jure que c'est vrai, il me dit, regarde, j'ai mon camion devant. Donc le mec, en fait, il s'est mis en double fil, warning. Pareil, il était en retard comme moi. Et on faisait la queue à deux, mais comme des clochards. On est passé devant tout le monde. Alors déjà, on s'est fait dévisager, je vous raconte pas. Et après, l'anecdote de fou. Parce qu'en fait je l'avais jamais fait, ça fait longtemps que je commande les iPhones. Parce que franchement c'est pour bosser ou quoi, c'est des bons téléphones. Franchement pour bosser y a rien à dire, ça a une belle qualité, ça filme bien. Tu vois j'ai eu beaucoup de Samsung avant, j'ai eu beaucoup d'Android, tout ce que vous voulez. Et j'ai jamais eu une qualité photo. Et tu vois les emojis et tout, ça se voit quand c'est pas iPhone. Donc bref, on va pas polémiquer de pourquoi j'ai pris un téléphone. Ouais mais je vais où les mecs? Je suis en train de rentrer sur une route, je sais même pas où je vais. C'est de vous dire les mecs, franchement, l'habit ne fait pas le moine déjà, première étape, et ne jugez personne. Parce que là, je pouvais avoir la dégaine du vieux schnock, mais parce que je sais que ça arrive. Il y a déjà des histoires de mecs qui ont commandé des bagnoles à 500 000 euros en tong. Tu vois ce que je veux dire? Mais qu'est-ce que j'ai fait? Je devais rester là. Oh là là, hey, je vais me retrouver dans des spots. Bon, excusez-moi pour ceux qui sont de Lille, à exploiter la moto. Et il m'a fait rigoler ce commentaire, faut frotter le genou les mecs dans le virage.
Donc bref, moi je vous disais, ce qu'il faut en retenir les mecs, c'est de pas prendre les gens pour des jambons. Bon, franchement, ça m'a fumé. Je l'ai jamais fait d'aller le chercher au magasin, je le referai plus jamais. Enfin après j'ai envie de te dire, t'es un peu obligé. Et ceux qui sont à Apple, ils font très bien leur taf, hein. On m'a posé 50 000 questions. Est-ce que tu veux une coque? Est-ce que tu veux un verre trempé? Est-ce que tu veux un chargeur? Est-ce que tu veux ceci? Est-ce que tu veux cela? Tu veux une garantie? Pourquoi tu la veux pas? Nanani nanana. Et j'ai eu le droit à un interrogatoire, laisse tomber. Et moi je suis arrivé et j'ai dit, oh non, moi je veux juste le téléphone, seul, sans coque, sans garantie, sans verre trempé. Elle m'a dit, s'il casse dans deux mois, on fait comment? J'ai dit, bah il casse. Et qu'est-ce que tu veux que je te dise, frérot? Les amis, on se retrouve sur le périph' avec 1005 dans le dos, frérot. J'ai la derby dans le dos. Tu vois, moi je le prends comme ça pour rigoler parce que c'est pour bosser, qu'est-ce que tu veux? Franchement, t'as beau ne pas aimer Apple, tu veux faire de la photo, tu veux faire de la vidéo, tu veux un téléphone pour bosser, t'es obligé de prendre ça. Je suis désolé, les mecs, j'ai fait le test de tout. Ah, on va aller se déballer ça quand même en vidéo sur TikTok, les mecs, hein. Ah là 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 là. Non, je vais vous faire un petit TikTok. Qu'est-ce qu'on peut avoir pour 1005? Une derby, donc la liberté, pouvoir rouler, ou un téléphone? Ah, en tout cas, super sympa. Vraiment, les flics, ah, des amours. Je prends le sens interdit. Je les vois, ils me voient, je me gare. Je me dis, je vais y aller à pied. Et c'est des bons. Franchement, c'est des bons. J'ai même pas le temps de le remercier, mais je pense qu'il m'a fait un petit signe de main en disant, là, faut aller à droite. Ah, il m'a sauvé le couz. Trop sympa. Ouais, il est chaud patate. René, viens là dire bonjour. Viens faire un bisou. Putain, c'est stylé ça, Q4. On en voit pas souvent. Hein. Allez, les mecs. C'est vrai qu'à 8R, c'est super joli. Il me semble que c'est Kikanina qui a un 7R. Magnifique. Ça fait 300 chevaux, hein. 10 fois la moto. Bah non, bah, ouais, quasiment. C'est 8 fois la moto. Un truc de fou, hein. Ah, c'est quand même joli, hein. Même en classique comme ça, c'est quand même super joli. Il y a la finition Airlines. C'est sympa. Oh, laissez-moi passer. Il y a Zebby, frère. C'est fou, ça. Et dites-vous, les mecs, il y en a qui se faisaient accompagner, mais des jeunes, hein. Ils étaient là que pour flex. Ils s'asseyaient. Allez, on va faire le transfert de données. Allez, ceci, allez, cela. Ça snap le déballage, tranquillou. Franchement, le titre, je pense qu'on pourrait mettre un campagnard à la ville. On va aller retrouver les vaches. Là, ça va être bien. Bon, du coup, les mecs, on a fini notre petite portion d'autoroute. On a réussi à retrouver le chemin de la maison sans se perdre. Franchement, c'est plutôt pas mal. Hop, le retour. Ah, franchement, les mecs, ça fait plaisir de rouler quand il y a du soleil comme ça. Là, il fait super beau, hein. Dites-vous, en dessous, j'ai qu'un t-shirt et j'ai même pas froid. Il fait trop bon. D'ailleurs, attends, je crois qu'il y a la température sur la moto. La température de bord. 21 degrés. Franchement, on les ressent bien. Comme il faut, c'est le temps parfait. Pas trop chaud, pas trop froid, pas trop de vent. Impeccable. Dites-moi ce que vous en avez pensé de la métropole lilloise, les mecs, en vidéo. Si vous êtes chaud qu'on aille faire plus souvent des vidéos dans l'île. Le truc, c'est que tu roules pas trop, tu vois. T'es là dans les petites rues, t'accélères pas trop, tu fais rien de spécial. Mais je sais que des fois, tu peux tomber sur des pépites et c'est super drôle quand même. I'm just fucking lit, man. I'm just fucking lit. Drink a bottle of this shit, man. Bottle of this shit. I'm about to...